Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy, reçoit à l'âge de 17 ans de la part des saints Michel, Marguerite d'Antioche et Catherine d'Alexandrie la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Ce film ne raconte pas leur histoire. Je pense que tout le monde est là, hein? On va pouvoir commencer. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben, ça marche. Allez, c'est parti, on commence. Bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon, ça. Ok, parfait. Bien, eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, oui, bonsoir. Et bon, déjà avant toute chose, je tenais à vous remercier d'être venus si nombreux à cette réunion publique du Festival de l'Histoire de France, édition 2018. Ok? Donc on va commencer tout de suite par vous dérouler l'ordre du jour de cette Non, réunion. mais tu peux te rasseoir, hein, je suis tout seul dans la salle, donc. Ah, d'accord. Ouais, vous m'entendez. Bon, ok, ça marche. Bien, alors à ce moment-là, on va commencer directement par vous présenter l'ordre du jour de cette réunion. Un ordre du jour qui va se composer en 164 points. Et donc, je vais laisser la main à Catherine pour faire le bilan moral de la 15e édition. Donc, à toi, Catherine. Catherine! Le bilan moral de l'édition précédente, s'il te plaît. Excusez-nous, je vous propose d'accélérer un tout petit peu le rythme de la réunion en passant directement à la présentation du thème 2018. Et si Catherine a retrouvé ses notes d'ici la fin de la réunion, on vous fera le bilan moral à la fin, hein? Et donc, le prochain thème du festival, vous vous en doutez tous, ça tombe sous le sens. Ce prochain thème sera bien évidemment Clémenceau. Médiéval. Non, on avait parlé de Clémenceau, là, non. Médiéval, on a bien dit médiéval. Mais Qu'est-ce que c'est que ce quel moment exactement on a parlé de médiéval? On a toujours parlé de Enfin, on a Clémenceau. toujours parlé de médiéval. Qu'est-ce que c'est que cette idée soudaine, hein? Mais non, mais il n'y a pas d'idée soudaine, quand même. On a parlé de Clémenceau, c'est quand même pas compliqué. Eh bien, moi, j'ai compris médiéval. Non! Non, mais de toute façon, on a toujours dit Clémenceau, c'est pourtant pas compliqué, Clémenceau! Moi, je vois pas où tu vois ça, on a dit médiéval! Mais à quel moment on a dit médiéval? On a dit médiéval! Mais non! Non! Si! Mais non! On a toujours On dit! a dit. Excusez-moi. Médiéval, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais on en a parlé avec tout le monde! On en a parlé avec tout le monde! C'est pas compliqué, prends ton Tout le monde portable! qui? Tout le monde? Prends ton Tout le portable! monde? Mais on va envoyer un message aux autres membres de Ah oui, l'association! tiens, Tu vas voir, on va excellent bien ce que. idée, ça! Et Très tu bonne idée, verras, on a bonne toujours soirée! fait ça! Tiens, regarde, bouge pas compliqué ça! Oh, j'y crois pas, la mauvaise foi! Et ben voilà. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Tiens, c'est quand même pas compliqué, tu vois? Regarde.
tout le monde m'a dit Clémenceau. Je sais même pas pourquoi on a... Tout le monde, mais la moitié de ces à qui j'ai envoyé le message. Eh ben écoute, c'est quand même incroyable, parce que alors, pas de chance, moi, tout le monde m'a dit médiéval. Alors comment on fait? Ben tiens. Tout le monde m'a dit comme médiéval, de par hasard. Ben tiens, ça paraît à peine gros ça. Je te dis que tout le monde m'a répondu Clémenceau. Ben, c'est quand même pas compliqué. Médiéval. Je sais même pas pourquoi on a cette conversation. Je sais même pas te dire quel est le début du commencement de cette conversation. Je sais même pas pourquoi Miko. Mais parce que tu n'écoutes pas. Parce qu'on avait choisi médiéval, que là tu mets Clémenceau. Je t'écoute pas. Et là voilà. Si t'écoutes pas, mais à ce moment-là on doit quand même être une sacrée partie du cerf à pas t'écouter puisque tout le monde a répondu Clémenceau. Alors je suis désolée de t'apprendre quelque chose, Ilnik. C'est que la moitié du cerf ne t'écoute pas, toi. Bah tiens, bien sûr. Puisque moi, tout le monde m'a répondu médiéval. Bah oui. Alors, et oui. Ça ne paraît pas étrange que tout le monde te réponde médiéval, ta moitié du CA à toi, alors que moi, tout le monde me répond Clémenceau, toi, ça ne te surprend pas. Eh bien non, écoute, de mon côté, j'ai répondu médiéval. Pourquoi pas la préhistoire? Préhistoire? Non, mais c'est pas plus compliqué que ça. Clémenceau, c'est quoi? C'est des poilus. Il y a plein de choses à faire. Les pommes des poilus, c'est vachement bien ça. Non, mais pas cela. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est pas là. Ça, c'est un exemple d'animation. Mais alors, c'est un vrai exemple d'animation. Ça. Oui, eh bien, tu veux un vrai exemple d'animation. Eh bien, je médiéval, bien sûr. Les chevaliers. Les chevaliers. Les chevaliers. Mais non, mais pas ceux-là. Ah, c'est ça. Ah ouais, d'accord, non, parce que je me disais aussi, ouais, c'est ça, ah ouais, mais non. Non, on fait du Clémenceau, c'est pas compliqué du Clémenceau. Tiens, autre idée d'animation Clémenceau, là, ah, vachement bien, les Brigades du Tigre. Ouais, enfin bon, ouais, on en trouvera des mieux que ça, mais dans l'idée, tu vois, hein? C'est vachement bien ça, ça claque! Alors, non, mais alors par contre, en médiéval, moi, une animation inédite, un truc inédite de fou, vraiment l'animation de dingue, écoute bien, les princesses! Les princesses! Ah ouais, carrément, pas très pratique. Ah. Ça coupe. Non mais pas des comme ça, des bien mieux comme princesse. Ah ouais, c'est ça, ouais. Parce que, tu veux que je te dise, pour que ça soit bien mieux, c'est pas compliqué. Tu fais du Clémenceau. Et comme ça, c'est bon. Clémenceau. Et voilà. Médiéval. Mais Clémenceau. Médiéval. Clémenceau. Médiéval. Clémenceau. Médiéval. Clémenceau. Médiéval. Clémenceau. Médiéval. Clémenceau. Médiéval. Clémenceau. 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 Médiéval. 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 Clémenceau. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Comme ça, on fera du Clémenceau. Je me vengerai !